Mais Noémie, pourquoi t'as écrit un roman où le droit à l'avortement est remis en cause en France? Oui, c'est le cas dans le registre, ça se passe en 2045 et en France, l'avortement est interdit. Alors il y a plein de gens qui vont me dire, oui, non mais attends, en France, c'est pas pareil, jamais personne ne laisserait passer un truc pareil. Je ris, mais c'est pas drôle. Brut a sorti il y a quelques jours une vidéo qui parle du fait que Macron souhaite inscrire dans la Constitution la liberté d'avorter. Ce qui est quand même une bonne chose, même si jamais ça serait bien d'inscrire le droit à avorter. Le fait que ce soit inscrit dans la Constitution, si jamais un jour on veut revenir sur ce droit, ça sera quand même bien plus compliqué. Ça fait depuis un moment qu'il est question de l'inscrire dans la Constitution. Je pense que ça serait bien qu'on accélère, mais c'est encore un autre débat. En dessous de cette vidéo, j'ai vu des commentaires, mais des commentaires qui prouvent que il est essentiel d'inscrire ce droit dans la Constitution. On a beau avoir l'impression peut-être autour de nous d'être entouré de personnes bah, qui se disent bah oui, chaque personne a le droit de décider pour son corps, bah c'est pas le cas de tout le monde. J'ai pris quelques commentaires et vous allez voir, c'est assez effarant les commentaires. J'ai pris les 10 premiers. Alors c'est peut-être pas les pires, c'est peut-être pas les moins pires, peu importe. C'est 10 commentaires que j'ai trouvés sous la vidéo, et sachant que c'était pas les 10 seuls commentaires qui allaient dans ce sens. Pour un pays qui se dit de tradition chrétienne, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. On me rappelle juste comme ça que la séparation de l'État et de l'Église, c'est en 1905, hein, ça fait plus de 100 ans. Il y a des gens, ils ont quand même beaucoup de retard. Instaurer ce génocide dans la Constitution, quel bel acte humain! Les gens qui osent utiliser le terme génocide pour parler d'avortement, mais vraiment, vous. En fait, vous ne méritez pas d'avoir la parole, vraiment. Mais c'est un malade, smiley pas content x4. Bon, alors ça, c'est un autre débat, hein, de si Emmanuel Macron est un malade ou pas. Mais alors, pour le coup, pour cette décision, peu importe pourquoi il la prend, qui l'a poussé à la prendre, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit inscrit dans la Constitution. Voilà, donc pour ça, non, ce n'est pas un malade. Ils préfèrent que certaines tuent leur bébé, vraiment celui-là? Non, 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 non. C'est un fœtus, un amas de cellules. Si jamais une femme veut décider dès le premier jour de sa grossesse que c'est un bébé, elle en a tout à fait le droit, il faut le respecter. Mais si une femme qui décide d'avorter considère que ce n'est pas un bébé, c'est son choix également. Alors là, on a un enchaînement de trois. Non à l'infanticide. Alors, dans l'absolu, oui. Je ne suis pas pour les infanticides, clairement. Et toute personne sensée ne serait pas pour les infanticides. Par contre, non. Non, l'avortement, ce n'est pas un infanticide. Non, non, revois tes définitions. On met le meurtre dans la Constitution. Super. Il y a des hommes aussi qui se disent, tiens, vas-y, je vais donner mon avis sur quelque chose qui ne me concerne pas. On met le meurtre dans la Constitution. Super, là pareil, parler de meurtre. Ok, il y a des gens en fait, franchement, ouvrez un dictionnaire et regardez les définitions. Blanche qui nous dit, c'est n'importe quoi, avec des petits points. N'importe quoi, que ce ne soit toujours pas inscrit dans la Constitution, peut-être? Pendant ce temps, il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mis à part le viol, rien ne justifie d'avorter. La pilule existe, c'est pas pour les chiens. Ou alors là, il y a beaucoup de choses à dire. La première, il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Cet argument, en fait, il est utilisé, mais même pas par en plus des femmes qui essayent d'avoir des enfants. Toutes les femmes que je connais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont certaines en parcours PMA, etc., elles sont pour le fait que chacune et chacun puisse décider de ce qu'il ou elle veut pour son corps. Donc se servir de cet argument, alors que la plupart du temps on n'est même pas concerné, et la plupart du temps on s'en fiche, on se sert juste de cet argument pour essayer de le coller comme ça en disant tiens, regarde. Tu pourras rien dire contre ça. Mais en fait, vous dégoûtez. Vraiment, vous dégoûtez, en fait, d'oser parler de ça. Mis à part le viol, rien ne justifie d'avorter. Bah, si, il y a plein de choses qui font que tu peux avorter. La pilule existe, c'est pas pour les chiens. On rappelle encore une fois que dans 75% des cas, les avortements sont faits alors que les personnes utilisaient une contraception. Les contraceptifs, quels qu'ils soient, ne fonctionnent pas à 100%. Voilà, donc là, celui-ci, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, vraiment. Avant d'ouvrir vos bouches, en fait, renseignez-vous. Ensuite, le monde sur les portes d'une troisième guerre mondiale, et là, ça parle avortement, encore un crime, vous avez qu'à vous protéger. Voilà, encore tellement de choses à dire. À nouveau, on essaye de nous balancer un truc. Regardez, il y a plus grave. Arrêtez. Personne n'y croit en plus à votre pseudo-engagement sur d'autres choses. Et là, ça parle avortement. Oui, mais c'est normal qu'on parle d'avortement. Et c'est normal qu'un gouvernement s'occupe de plusieurs choses, potentiellement en même temps. Encore un crime, voilà. À nouveau, hein, qu'il ferait bien d'aller ouvrir son dictionnaire.
Vous avez qu'à vous protéger, et on le rappelle, voilà, les 75%, etc., etc., etc. Le génocide continue, hashtag pauvre France. Là encore un nouveau qui ose nous utiliser le mot génocide. C'est génial. La dépopulation programmée surtout. C'est vrai qu'on manque de monde sur la Terre. C'est d'ailleurs un problème majeur du 21e siècle, le fait qu'il n'y ait pas assez d'humains sur Terre. Et sinon, c'est quand qu'on s'occupe des vraies préoccupations de ce pays? Alors, les Nali, c'est une préoccupation, en fait. Quand tu regardes ce qui se passe autour de nous, dans le monde, c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes. C'est pas parce que toi, t'en as rien à foutre, peut-être parce que toi, tu ne seras jamais concerné par le problème, que tu dois juger si jamais c'est une vraie préoccupation ou pas. Il voulait aussi faire un abonnement TER à 49 euros. Alors là, aucun rapport. Celui-ci, je l'ai pris parce que vraiment, en fait, je me dis, mais à quel moment tu vas comparer un abonnement TER qui aurait dû être à 49 euros et en fait, bah, c'est pas le cas, avec le fait d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Peut-être que c'est pour dire, il promet des trucs, il les fait pas, etc. J'espère que c'est ça parce que si jamais tu compares le fait de payer tel ou tel prix pour un abonnement TER avec le droit d'avorter, ah, c'est creepy. Voilà, vous en avez eu plein, il y en avait mais des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines en fait. Et ça révèle bien une chose, c'est que de nombreuses personnes en fait sont contre l'avortement. Et si vous n'avez pas envie d'avorter, si un jour vous tombez enceinte et vous ne souhaitez pas avorter, c'est votre plus grand droit. Et c'est normal de respecter votre choix, comme c'est normal de respecter le choix des autres. Voilà, dans le registre, ça se passe en France. J'ai voulu vraiment localiser en France, tout simplement parce que pour moi, aucun pays n'est à l'abri. Vraiment, même si pour certains on se dit oui, bah quand tu vois les gens là-bas, blablabla, aucun pays n'est à l'abri. Et peut-être qu'en France, un jour, ce droit sera remis en cause. Je vous rappelle que parmi les personnes qui font les plus hauts scores aux élections présidentielles, on en a certains qui parlent, certains et certaines, qui parlent d'avortement de confort. Voilà, pour moi, ça en dit long, et c'est d'ailleurs de ça que je suis partie pour écrire ce roman.